Dans le système éducatif moderne, il est admis que le Saint Graal n'a jamais été retrouvé. De récentes découvertes attestent du contraire. En voici la preuve. 20 octobre 1983, 12h48, forêt de Brocéliande, sortie autoroute A6, devant le parcours à Crobranche. Première révélation. Les chevaliers de la table ronde bénéficiaient d'une technologie avancée. août 1992, 7h32, forêt de Pimpon, aire de repos numéro 23, à 100 mètres du restaurant Campagril. Deuxième révélation. Comme le mobile, la dame du lac était résistante à l'eau. 6 septembre 2002, 13h46, salle de l'Aiguépinerie, station Courcelles-sur-Yvette, RERB. Troisième révélation. Contrairement à ce qu'annonçait la prophétie, Excalibur pouvait être arraché de sa roche par la force. 8 mars 2010, 18h12, foyer rural du Guilvinec. Et c'est ainsi que le Saint Graal fut enfin retrouvé, puis reperdu. Bon, il l'a retrouvé, c'est déjà pas mal. Et on n'a jamais dit qu'il l'avait gardé. Enfin, on peut pas trop leur en demander.